Celui-là est plus gros, donc ça s'appelle un alto. Alors, vous voyez, vous avez, ça ressemble un peu comme une tête. C'est ça, ici. Oui, un peu comme à la guitare, exactement. C'est tout à fait ça. Une guitare. Une guitare. Exactement. Alors ça, c'est les chevilles, comme tu l'as si bien dit. Et ça permet de régler la hauteur de la note. Hein? Donc, par exemple... jusqu'à ce qu'on trouve la bonne note. Donc c'est les mêmes notes qu'au violoncelle. Hein. Donc Do. Ensuite le Sol. C'est aigu ou grave? C'est un peu comme papa et maman. Maman, elle a une voix plus aiguë que papa. Vous avez remarqué, quand maman elle parle, la voix elle est plus aiguë. Et bien c'est la même chose. Ici, ce serait par exemple papa. Voilà. Voilà, violoncelle, il a plus une voix de papa. Et la contrebasse, ça serait le grand-papa. Le grand-papa. C'est le petit bébé, mais il a la même tête. Voilà. Exactement. Et c'est pour ça qu'il est très aigu. La flûte aussi. Le sifflet. Siffler, oui. Ça, c'est des sifflets à couilles, c'est quoi dans les alarmes. Alors, la trompette fait partie de la famille, de la sous-famille des. La grande famille des vents et la sous-famille des cuivres. Comment ça marche une trompette alors? Pour faire de la musique. Oui? On souffle dedans? Non, il faut que tu appuies un peu sur les boutons. Les boutons? Ah, alors je souffle et j'appuie sur les boutons. Allez. C'est pas ça. Hein. Du vent. Ah, c'est du vent, c'est du vent. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Ah, faut mettre la bouche en même temps. Ah, ah oui, mais il le fait aussi. Et ça marche pas? Si on la déplie, elle fait 150 cm. 1,50 m. Et celle-ci, la moitié, c'est une petite trompette. On est dans les guillemets. Piccolo. Piccolo. C'est dur, c'est dense, c'est résistant. Donc, le basson existe depuis 1650. C'est vraiment le basson baroque. Voilà, donc le basson, c'est en palissandre, c'est un bois qui vient du Brésil et des Indes. C'est un bois précieux. Parce que faut qu'il soit assez dur, assez dense pour résister à toute la perce. Et donc, le basson existe depuis 1650. C'est vraiment le basson baroque. Et je souffle. Qu'est-ce qui manque au basson pour faire la vibration? Ah, on peut pas avec le basson. On peut pas faire de lien avec les une heure. Il manque ça. Alors, c'est une hanche. Voilà, on va attendre à la vibration maintenant. Ouais.